Voilà, on est ici au MCC. C'est la première course qu'on fait en famille. 40 km, 2300 mètres de dénivelé. Et on est dans les starting blocks. Derrière nous, dans 15 minutes, on part. Et puis, vous allez suivre avec Jessica et Annika. Et moi qui traîne derrière. C'est une course incroyable. Et l'année prochaine, ça peut devenir un objectif pour tout le monde qui regarde. Vous êtes prêtes, les filles? Ouais, on est prêtes. Mentalement, on est prêtes. Physiquement, on espère qu'on est prêtes aussi, mais on est vraiment juste là pour profiter en famille, profiter des paysages et de participer à ces courses avec tout le monde. Trop, trop hâte. Genre, j'ai juste envie de partir. Là, on a 15 minutes avant le départ. Et puis, une fois qu'on sera parti, on pourra finalement un peu se vider la tête. Parce que là, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, beaucoup d'interviews, de l'énergie. Et on a juste hâte de partir pour pouvoir commencer à profiter. Ça, c'est Mathieu. C'est le patron de Columbia qui sponsorise cet événement incroyable. Bon, on est super contents. Merci à vous d'être là. On va prendre beaucoup de plaisir. On va s'amuser ensemble. Ouais, on va là, dans ces belles montagnes. Là aussi. Et bonne chance alors. Merci. Moi, je dois aller poser une pêche, mais je ne sais pas où. Il y a trop de monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Jusque là? Ouais, franchement c'est super jusqu'à présent. On a ça grimpe. Ouais, ça grimpe à fond. Je sais pas, je crois qu'on a fait 3 kills et que de la grimpe. Mais c'est magnifique, il y a plein de monde, c'est une bonne ambiance. Pape, c'est la mascotte de la course, il est là. Oh, allez, allez, allez! Et puis il encourage tout le monde. Ça court! Ouais, en plus ici il y a des vieux dames qui est devant moi. Et je vais essayer de l'attraper. Mais parce que je dois arrêter ça 10 mètres pour faire un selfie, j'arrive plus de suivre mes filles. Regarde, elles sont déjà là. Et comme ici, ça monte. Il faut juste plier un peu là, mettre la tête en avant et faire un pas après l'autre. Ça aide beaucoup les bâtons. Je sais pas. Pour courir, j'ai l'impression que ça m'embête. Mais pour monter, c'est sûr que ça marche bien. Déjà l'heure des snacks. Toute la raison pourquoi on fait ça, c'est pour pouvoir manger, grignoter pendant le chemin. C'est beaucoup d'efforts pour grignoter. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai la force. Ça, elle pense déjà au burger à la fin. Ouais. C'est bien. Ça fait barrière. Vous mériterez. Double cheese. Mais bien, et vous? Ouais, on est mort. Et là, ça descend. Il n'y a pas un coup à boire, il n'y a rien. Ouais, viens, ma con. Tu connais. Allez, c'est le ma con. Chanté. Ça, c'est beau. Ça sert. Ça sert. Ouais. C'est comme ça qu'on peut continuer de courir. Ouais. Ok, on court alors. Allez, allez, allez. Thank you.
c'est super jusqu'à présent. On s'amuse. Je pense qu'on a un bon rythme. On est restés ensemble. Oh, une bonne ambiance. Oh non, je suis bon. On arrive en famille, c'est super. Après c'est de la descente hein. Après, on a plus là, de vous monter, avez... ou pas. Là je crois que vous avez fait le plus dur. Ouais, allez Annika. Oh bien. Ouais, regarde ce paysage. Putain, mais c'est super. C'est incroyable. Hein. Je peux pas une photo. Mais oui, pourquoi pas. Oh regarde où, Céline. C'est où. C'est moi. C'est moi. Moi quand je pars, je fais 40 000 km ouais. Avec un traîneau derrière et tout ça, pas 40 km. Parce que là on est déçus là. Vous attendez là-bas, on s'est dit mais il est où, il est où non, mais il est derrière. Mais avec toutes les selfies que j'ai pris. Ouais. On a fait 28 km. Encore 12. Ouais, oh, on est bientôt. Ouais. 5h20 on court. C'est plus facile là. Ouais, là c'est le pipi de chat. Je me dépêche parce que je dois poser un pêche. Mais voilà, c'est l'hiver et on est bien dans les plumes. Après, une course extraordinaire. Paysage, mais époustouflant. Waouh, c'est la ouais, à couper le souffle, on est arrivé à Chamonix. 7 heures plus tard. Dur. Dur, si je devais le décrire en quelques mots, je dirais très intense et beaucoup de faux plats. Les plats qui montent. Mais l'arrivée était totalement, enfin, hyper intense. Il y avait tellement de monde qui nous encourageait. Ils étaient tous, allez Mike. Et puis après ils nous voyaient, c'est, ah, allez les filles. C'était tellement intense que j'ai versé quelques larmes. Parce que enfin, dans ce qu'on fait, souvent on n'est pas entouré ou encouragé en live comme ça. Et pour la première fois, on était encouragé, on entendait les gens, on les voyait et ils étaient mais incroyables. Et on a passé la ligne d'arrivée ensemble, c'était le but, et on l'a fait. Et moi, je dirais énorme... 1 heure plus vite que prévu. Ouais. 1 heure plus vite. Et énorme voilà. Bravo à Jess qui fait ça pour la première fois et qui a dû souffrir en se disant « Je déteste mon père, je déteste ma sœur pendant tout le long. » Non, j'avais beaucoup d'amour pour vous tout au long de la course. Mais ils auraient pu finir encore 1 heure avant ça. Donc on a décidé de venir faire ça en famille. C'est sûr que ouais quoi, il y avait des moments qu'on courait plus vite une de l'autre, mais on s'est attendu le long de la route. Et puis c'est aussi ça que chacun de nous retrouve un rythme qui le convient.
Et puis on pouvait aussi partager plus de temps avec les gens le long de la route. Mm-hmm. Je pense que j'ai pris peut-être 2000 selfies. Ouais, il a fait ah, plus de selfies que de kilomètres. Ouais. Ah. Et puis c'était sympa parce qu'en fait, on est là pour courir, mais aussi de partager ses émotions avec les gens. Et puis c'était extraordinaire. Si voilà. Vous avez l'occasion d'un jour vous inscrire pour une course qui vous sort un peu de l'ordinaire, je peux que vous encourager à le faire. Ça vous apporte vraiment quelque chose, une sensation incroyable au plus profond de vous. Et de traverser cette ligne d'arrivée, c'est une vraie récompense. Alors si cette vidéo peut servir à quelque chose, c'est de vous pousser un peu hors de votre zone de confort. Ouais. Fixez-vous un but, faites cette course. Merci à UTMB qui a organisé ça. Mm-hmm. Merci à Columbia qui a sponsorisé ça. Mm-hmm. Et puis merci à tout le monde qui sont venus nous encourager et qui sort cette Covid où on était enfermés pour reprendre l'air de la montagne et qu'on commence de vivre. À fond la caisse de nouveau. Bon, faites l'année prochaine alors. Ouais, l'année prochaine, à fond. Ouais, on se voit. 175 km. Ouais.